gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Evil et bienvenue pour un nouvel épisode de The Darkness 2, toujours sur le live qui lui l'aura vu en entier. Pour les autres, donc il s'agit d'une rediffusion puisque je n'étais pas capable d'utiliser tout simplement mon logiciel de tournage, ça marchait pas, ça buguait, donc comme ça, ça fonctionne très bien. Et puis quelques personnes peuvent en profiter avec moi dans la folie la plus totale et dans le sanglant. Et on y va, on prend la tuture. C'est mon gang qui vient me récupérer, c'est la folie, et il faut qu'on aille sauver le manoir, parce que notre manoir a été pris d'assaut et tout le monde est en train de se faire massacrer, ce qui paraît. Il y avait un prêtre qui venait à l'orphelinat, le père Alonso. Ouais, je sais ce que vous pensez, mais c'est pas ce que vous croyez. Enfin bref, il devait avoir 1000 ans ou plus ce mec, le genre prêcheur de l'apocalypse. Il nous disait que l'enfer, c'était pas une histoire inventée pour nous faire filer droit. C'était pas une connerie. C'était un trou puant. Là où finissaient les salopards, les putes, les dealers et les junkies. Et que si on faisait pas attention, c'était là-bas qu'on finirait. Putain. Si c'était aussi simple. Ouais, la nouvelle intro de Hazn est totalement stylée parce que bientôt on va faire une refonte de toutes les intros. Dark va tous les tuer. On va tous les tuer. On les fout. On les dingue. J'en étais pile poil à là. J'ai pas vu la suite. J'étais vraiment à là. Donc là, il y a des mecs. Voilà, il y a des soldats en lumière. Voilà, faut bien viser la lumière. Je sais plus si c'est un phare ou si c'est le mec. Non, c'est bon. On va récupérer une portière. Et voilà. Hop là, frisbee. Oh, je l'ai raté. Mais bon, j'ai plein de portières avec moi là. C'est. Parce que. Dans le genre portière là, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Allez hop, on ouvre la porte. On est parti. Ah non, je veux pas le flingue moi. Laisse-moi ça, c'est mon petit bonheur personnel. Voilà, comme ceci. Alors, on a un truc ici. Alors, 1079, ça va me permettre d'acheter un truc ça. Alors. Donc ici, c'est à 1250 et c'est vrai que ça va être très intéressant, je pense. Là-dessus, on a les armes se rechargent plus rapidement, oui, c'est bon. Et ça, c'est tous les pistolets dans le noir possèdent quelque chose de plus puissant. Ça, il me le fallait, qui récupère de la santé supplémentaire lorsqu'on exécute un mec. C'est pareil, toujours très très utile. Non, de l'autre côté s'il te plaît, voilà. Bonne soirée à ceux qui partent. Oh, l'autre il a voulu se la faire à la Yamakasi et je lui ai coupé ça. Ah, il lance des grenades. Alors ça, c'est horrible, les grenades lumière. La balance comme ça. Ok, tout va bien. La situation a été maîtrisée. Lui, il est en train de d'écraser. Il a écrasé un mec. Là, détruire les lumières du camion, priorité. Il me faut une portière. Voilà. Parce que les gros machins comme ça, il leur faut beaucoup de balles. Mais alors, dès que tu leur envoies ça. Alors, d'ailleurs, je vais mettre mes armes comme ça, voilà. Vous aviez pas vu encore la canalisation des armes en Darkness? Ah merde. Parce qu'en plus, ça donne pas mal de bonus, ces conneries. Hop, on reste à 1 UMP toujours. Y a pas trop besoin pour l'instant. Et viendra le moment que je ne connais pas, c'est ce moment-là. Voilà. Ah si, ça, je l'ai vu, ça. Ah, j'adore, le mec il fait un gros fuck et l'autre il passe par l'autre côté. C'est énorme. Bon, on le voit pas trop en détail avec le live parce qu'elle est FPS, mais ça c'est juste trop épique. C'était juste trop énorme. Putain, avec leur grenade de lumière, je prends trop cher. Tuez la lumière, voilà. On va vous perturber un petit peu et on va récupérer un peu de munitions. Voilà. Là, toujours ma petite brume. La brume, c'est super utile. Oh, il y a de la lumière là-bas, il va falloir que je fasse
Je remédie ça immédiatement. Mais vise cette lumière, mon dieu! Donne-moi de la vie, toi. Parce que je suis en train de me tuer là. Ah oui, ça me rend beaucoup de lumière. C'est de la lumière blindée, quoi. Bon. Voilà. Vous avez envie de jouer, on va jouer, hein. On va se la jouer à la portière, hein. Il en reste un. Ah. Ok, j'ai plus d'armes. On va récupérer leur cœur. Et surtout les armes, parce que j'ai plus du tout de flingue. Voilà. Non, ça, j'ai pas assez de balles là-dedans. File-moi ça. Voilà. Uzi, ce sera très très bien. Grenade flash, oui, grenade flash, oui, parce que là, quand ils lancent leur truc, déjà, ça fait une énorme lumière, donc... Là, je connais pas. Lui, il est mort comment? Pas compris, il est mort tout seul. Ah non, c'est un mec qui résiste. Alors là, je connais pas. Je suis content de te voir. Ces types ont déboulé sans prévenir, comme des cafards. Ils sont complètement tarés. Parce que toi, non? Je suis toujours vivant, non? Et ce sera pas le cas de ces fils de pute quand j'en aurai fini avec eux. Tu ferais mieux de monter, boss. Je vais te couvrir d'ici. Je peux encore tenir le coup. L'ascenseur est en train de descendre. Personne doit sortir d'ici, Jackie. Jackie, c'est moi, Vinny, tire pas! Putain de merde, boss. C'est le délire total à l'étage. Ta tante Sarah s'est planquée dans ta pièce de sûreté. Faut qu'on monte, vite! Vous avez qu'à y aller, vous. Moi, je vais monter la garde ici. Nuchant qui va mourir Jackie, en devant nous. C'est la meilleure journée de la semaine! D'accord. Les mecs sont heureux, tu sais. Tout va bien. Mec, je vais te retenir, t'inquiète, pas de soucis. Je m'éclate. Waouh, je l'avais jamais eu celle-là. C'est quoi ce bruit? Je sens des bruits chelous. Bon, c'est pas grave. Mission, voilà. Alors, niveau des compétences, 718, je peux acheter celle-ci. Utiliser une balafre vers le haut qui ramène... J'ai jamais utilisé la balafre. Ok, là c'est le stand de tir. Ok, ça roule. Une UMP aussi, ouais. Peut-être prendre une UMP alors. Jackie, Dieu merci, t'as pu revenir. On est dans une sacrée merde, mec. Bah j'ai remarqué. J'ai remarqué ça. Allez, dis-moi, je veux savoir qui veut ma peau. T'as vu le saut sur l'enveloppe de Swifty? C'est celui de la confrérie. La quoi? C'était les premiers gardiens du Darkness. La confrérie, c'est le saint des saints de toutes les sociétés secrètes. Ils sont sous les ordres d'un certain Victor Valente, un grand prêtre, le roi, quoi. C'est plutôt un méchant, tu comprends? Ouais, je l'ai déjà rencontré. Il s'en est pris à moi avec un engin qui aspirait le Darkness hors de moi. Un seul appareil peut faire ça. Le siphon d'Archimède. Oh merde, je croyais qu'il était perdu à jamais. En fait, j'aurais préféré qu'il soit perdu. C'est quoi ce truc? C'est l'appareil utilisé par la confrérie pour piéger le Darkness. Il a été conçu il y a des millénaires grâce à la magie noire. Il peut aspirer l'essence d'ombre, soit en te l'arrachant, soit en prenant celle qui est déjà dans le corps d'un autre. Le siphon est puissant, Jackie. Et dangereux. S'ils l'ont trouvé, c'est mauvais. Très mauvais. Si la confrérie met la main sur le Darkness... va savoir, mais je suis sûr que c'est pas bon. D'accord, je vois le tableau. Écoute, bouge pas. Je vais leur régler leur compte à ces enfoirés. Eh ben décidément. Donc voilà, on savait que c'était une secte et qu'il fallait pas qu'ils mettent la main dessus, donc finalement c'est... Voilà, le sceptre millénaire qui absorbe le Darkness. Très bien. Jackie, putain de merde, je suis content de te voir. On les a pas vus arriver. Ils sont entrés dans la cuisine! Boss, mais d'où ils sortent, ces enfoirés? J'ai jamais vu ce genre de type dans le coin! Jackie, faut que tu montes sauver ta tante Sarah! Hey, allez! Fais bien gaffe à toi! Spider-Man, c'était tante May! Nous, ce sera tante Sarah! Allez, en avant! On va sauver la tante! Oh putain, vite! Oh putain, elle est cool cette arme! Oh putain, j'ai la table du jardin!
Oh putain, c'est quoi cette arme? Par contre, j'ai juste un sapin qui me gêne un peu, mais... Je vais être obligé de péter les lumières de mon propre manoir? Ah non, je peux pas. Je peux pas. Comment on fait alors? Ah non, bah apparemment, il faut pas que j'aille ici. Je pense que je dois aller ailleurs. Non, oh, c'était lui. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça sent mauvais. Ne m'approche pas, c'est parti. Putain, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Demain. Ah, je suis passé en mode Kalachnikov. D'accord, très bien. Hop là. On l'a récupéré. Bon, par contre, il va falloir, parce que je crois que je vais arriver déjà à la fin de cet épisode encore. Parce que je le rappelle pour ceux qui rejoignent à chaque fois, ceux que je suis en train de tourner. Je tourne en même temps que je... Oh. Ah oui, tu veux te battre comme ça. Et voilà, et tu fais comment maintenant si je te prends ton bouclier, hein? Ah bah tu fais plus rien. Et bah je vais être obligé de couper en pleine action, parce que sinon ça durera trop longtemps pour un épisode fait en vidéo. Alors on se retrouve pour le prochain épisode de Darkness, n'hésitez pas à laisser toujours un petit pouce bleu, vous pouvez laisser vos commentaires, bon pour ceux qui sont dans le live, je pourrais vous voir tranquillement, bien entendu. Hein, à the prochain du coup, et à très bientôt pour une nouvelle aventure sur The Darkness. Ciao.